Le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus permet de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer avant l'apparition des symptômes. Après le dépistage et la suspicion d'un cancer, un certain nombre d'examens doivent être réalisés pour confirmer le diagnostic et en évaluer le stade. Dès que le test est positif, on vous envoie collaboration avec le psychologue et les médecins pour aller vers le diagnostic pour éviter les perdus de vue. Le diagnostic ici va consister donc à prendre la partie qui semble transformée et savoir si cette partie-là, elle va vers un cancer ou pas. Maintenant, la suite, lorsque la patiente est sous traitement, il y a les psychologues, il y a toute une unité au sein de l'Institut de cancérologie d'Akanda pour accompagner ces personnes en traitement de cancer en fait. Le patient diagnostiqué positif au cancer est mis automatiquement à la disposition d'un psychologue qui va l'accompagner avec des médecins par des contrôles, des examens de routine, des bilans sanguins et bien d'autres traitements de cancer. Le but est d'éliminer les cellules cancérigènes qui se propagent dans l'organisme et surmonter les effets secondaires du traitement anticancéreux. On fait la chirurgie, on va enlever cette bosse-là ou cette tumeur si elle existait et on va mettre la chimiothérapie ou la radiothérapie ou l'hormonothérapie, tout ce qu'il faut et on va contrôler au bout d'un certain temps selon le chronogramme qui a été établi. Lorsque les marqueurs en question ne les retrouvent plus dans le sang, on va parler de guérison si on est au quartier. Morelaté, c'est une rémission parce que le même processus peut se remettre en marche, d'où l'intérêt de toujours contrôler, et c'est contrôle un chronogramme que la malade doit respecter. Dépisté à un stade précoce et traité à temps, le cancer peut être guéri. On parle de rémission dès lors que toute trace du cancer a disparu. Mais au bout d'un certain délai, la rémission devient guérison.